Participer à un programme de divertissement, quand on est une célébrité, n'est pas toujours une bonne idée. Jean-Pierre Castaldi, 74 ans, en sait quelque chose. Comme chaque vendredi, Benjamin Castaldi était aux commandes de Touche pas à mon poste, sur C8, le 1er février 2019. L'équipe a notamment évoqué le retour de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, animé par Laurence Boccolini. L'occasion pour l'animateur âgé de 48 ans de rappeler que certains people ont vu leur carrière décliner après leur participation à ce type d'émission. C'est notamment le cas de son papa qui, en 2001, était candidat de première compagnie, un tournage durant lequel 12 célébrités ont, pour la bonne cause, accepté de vivre comme des militaires. Je lui ai vivement conseillé de le faire. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était le plus gros carton de TF1 en quotidienne, a admis Benjamin Castaldi. Bien qu'il ait quitté l'émission de son plein gré au bout de la deuxième semaine, son court passage a été remarqué et a eu de lourdes conséquences sur sa carrière au cinéma. Quand il a fait cette émission, bon, il est rentré de France, il pensait que c'était Michael Jackson, et en fait, il n'a plus jamais tourné au cinéma. On lui a clairement dit, Jean-Pierre, maintenant on est désolé, mais vu que tu as fait cette émission de merde, tu ne pourras plus faire de cinéma, a ajouté le mari d'Aurore Allemand, qui était réellement persuadé que Première Compagnie offrirait un coup de boost à la carrière de son père.